là, c'est avant tout une histoire d'amour. Il y a beaucoup de choses, ça parle d'amour dans la religion, ça parle de couple mixte, et en même temps ça parle de mariage, ça parle de la vie à deux, ça parle aussi de l'homosexualité dans la religion. C'est beaucoup de sujets de société, de sujets un petit peu lourds, actuels, d'autres moins actuels, malheureusement, qui durent depuis trop longtemps. Comédie légère, comédie sociale, mais surtout comédie romantique. מחפש אותך במועדון, רואה אותך פתאום, קשה לי לנשום. מביט לגוף שלך שרוקד, לא מבין מה קורה. Ça a l'air d'être très actuel, mais en fait c'est bien plus vieux que ça pour moi, parce que moi j'ai un peu grandi dans cette ambiance-là, j'ai grandi dans l'ambiance qu'on peut retrouver donc dans le film, dans le mariage. Mais c'est pas parti de ça en fait. J'avais pas forcément envie de raconter l'histoire d'un couple mixte, etc. J'avais pas non plus forcément envie de raconter les problèmes que provoque l'homosexualité dans la religion. C'est des choses qui me sont venues parce que c'est des choses que je vis tous les jours. Alors c'est pas aussi extrême que dans le film parce que bon, j'ai effectivement dramatisé la chose. Du coup je me suis dit, je vais partir de là et je vais raconter une histoire. Alors, donc, Luc est un jeune juif ashkénaze, comédien. C'est pas un personnage très loin de moi, puisque je pense qu'il a été écrit très proche du mien. Donc, finalement, j'ai pas eu à aller chercher beaucoup de choses pour trouver ce personnage. Il s'est jamais posé la question, je pense. Voilà, c'est pas naïf, c'est qu'il se pose pas la question. C'est que pour lui, une fille lui plaît, ben, il va la draguer. Il se demande pas si elle est juive, si elle est arabe, ou il s'en fout. Il s'intéresse à quelqu'un, il la drague. Vraiment, de tous les trois garçons principaux, là, des témoins et du marié, je pense que c'est celui qui est le moins accroché à sa religion. Et je pense qu'il découvre plus ces choses-là, il les connaît, il en est conscient, je pense qu'il le sait. Il tombe pas des nues quand on lui met face à ça, mais lui, dans sa vie, il s'en est jamais... Enfin voilà, c'est pas le genre de choses qui l'intéresse. Il s'intéresse juste aux gens et à leur façon d'être, quoi. Jamais j'aurais dû te manquer de respect. J'ai été con. Un con avec sa fierté à la con. Pour moi, c'est beaucoup plus difficile, en fait, le cinéma que le théâtre. Si t'as loupé quelque chose la veille, tu dis « tiens, j'aurais pu faire ça », le lendemain, tu peux le tenter et tu vois comment ça réagit. Tu peux créer ton personnage au fur et à mesure, tu vas au fond des émotions. Là, c'est vrai qu'en quelques prises, il faut qu'on soit tout de suite dedans. Et si on n'a pas été tout de suite dedans, bah, parfois, t'as un petit regret. Tu dis « ah là, j'aurais bien aimé le faire autrement ». Mais c'est plus possible parce qu'on passe déjà à un autre plan et... Donc c'est plus frustrant, je trouve, en tant que comédien, le cinéma, parce que t'aimerais pouvoir faire plus de choses. Donc Leïla, c'est une jeune fille d'une vingtaine d'années qui est en France depuis... Enfin, qui est marocaine, en fait. Ses parents sont au Maroc. Et qui fait ses études en France et qui est photographe. C'est un personnage assez discret. Je dirais pas effacée, mais elle est dans la discrétion, elle se la ramène pas. Puis ça lui tombe dessus, ce coup de foudre, avec ce garçon qui est juif, complètement différent de son univers. Et elle va devoir s'adapter. C'est une femme musulmane, c'est pas forcément facile de faire le choix d'épouser un homme différent de... Un homme qui n'a pas la même religion. Leïla, je pense qu'elle est différente de Luc, dans le sens où elle a pas envie de prendre de risques. Au début, elle est naïve, et puis elle se prend le racisme des autres en pleine gueule, en fait. Et c'est quelque chose qu'elle a du mal à assumer. À la fin, c'est presque à contre-cœur qu'elle a envie d'essayer avec lui, parce qu'elle a vraiment peur de toutes les retombées que ça peut avoir. Après, c'est une femme forte, indépendante, elle vit seule, elle a un métier artistique, ce qui n'est pas forcément accepté dans certaines religions. On a l'impression qu'elle n'a pas envie d'assumer ce côté rebelle, qu'elle ne sait pas vraiment si le jeu en vaut la chandelle. Puis l'honneur de ta famille. Ah oui, l'honneur. Et mon bonheur, on y pense un peu. C'est pas ça, c'est... C'est juste que ta famille, elle sera toujours là pour toi. Alors que lui, il est pas sûr. Je
J'aime pas un genre plus qu'un autre. J'aime les films qui me procurent quelque chose. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent, par exemple, que la comédie romantique, c'est pas forcément du cinéma, dans le sens artistique du terme. Moi, je trouve que si, c'est quelque chose... Moi, c'est quelque chose qui m'a nourri, qui m'a fait grandir. J'ai vraiment grandi avec des cinémas très, très différents. J'ai fait pas mal de choses, pas mal de tests, pas mal de choses semi-professionnelles, mais c'est vraiment mon quatrième court-métrage. C'est celui qui marque vraiment mon entrée dans le monde du cinéma, parce que c'est vraiment celui dans lequel je me sens le plus à l'aise, dans lequel j'ai le moins de doutes, et je pense que j'arrive mieux à traduire techniquement ce que je veux artistiquement. You made me now. Xavier et moi, c'est une longue histoire. On s'est connus à l'école de cinéma. On a tous les deux mûri et voilà, je suis très contente qu'il ait accepté de travailler sur ce projet, que ce projet l'emballe. Et voilà, j'ai hâte de voir le résultat des images qu'on a fait ensemble. What you say?